Salut les acteurs de la vape, comment allez-vous? Bien? J'espère super bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite revue de liquide. Un petit liquide qui m'a été envoyé par un copain, le Chauve Vape, connu sous ce nom-là sur Instagram. Un influenceur, voilà. Un influenceur d'Instagram. Allez voir ce qu'il fait, je laisserai le lien de son Insta sous ma vidéo, avec toutes les informations comme d'habitude. Bon, alors on va parler du liquide qu'il m'a envoyé. En fait, il m'a envoyé un liquide qui vient du Vape Expo, enfin, se balade main en main, et qu'il a trouvé trop fort pour lui. Donc, il m'a dit, bah, teste-le et tu me diras. Alors, je vais faire un petit retour. Donc, c'est un liquide créé par CoinVap, la gamme CoinVap, le Marc. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc voilà comment se présente la fiole. Tout ce qu'il y a de classique, sécateur enfant, achoupi, tout ce qu'il y a de classique, c'est un 70-30. Et liquide, CoinVap, il est sympa le logo quand même, je trouve. Voilà. On va tourner un peu. Là, c'est un jeu qui a été fait, je pense, pour présenter le liquide. Mais donc, logiquement, je pense qu'il y a peut-être d'autres descriptions. Bon, les logos qui vont bien marquer. Propylène agricole, enfin voilà quoi, tout ce qui est plus simple, hein. C'est vraiment simple. Donc c'est un Shubi de 50 ml en 0, donc quand on rajoute un 10 ml, on obtient 60 ml. Donc je vais le tester devant vos yeux ébahis. Alors, petit dripper, on va. Enfin, j'ai déjà dit. Alors, on est sur une noix de cajou grillée, du caramel, de la vanille. Donc la noix de cajou grillée, c'est ce qu'on sent en premier, en dominance. Je vais tester ça devant vous. Tac. Que j'ai déjà testé quand même. 30 watts, nickel. Voilà, 70, ouais. 70-30, une bonne production de vapeur. Alors, ça fait comme une custard un peu. Hein. Ça fait vraiment, je sens le caramel, la vanille. La note cajou est un peu trop dominante pour moi. C'est comme il me disait, on a discuté, mon camarade là. Ouais, c'est vrai que c'est dominant, mais c'est très bon. C'est très très bon. C'est très bon dans le sens où elle est bien reproduite. C'est bien reproduit. Et l'assemblage est vraiment très bien fait. Ça me rappelle certains jus que j'ai fait dernièrement. Et c'est pas chimique quoi. C'est ouais, il est vraiment très bon, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Après, il faut aimer la noix de cajou parce que c'est quand même dominant. Ça me rappelle un peu des tabacs vanillés avec un fruit à coque. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal de gens, ça. Je pense que vraiment, ouais, ça peut plaire à pas mal de gens. Donc voilà mon petit retour. Hein, le chauffe. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour remercier mon copain et faire partager un peu avec tous ce nouveau petit jus. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu partages, tu likes, tu mets un pouce en bas, en haut, comme tu veux. Tu me laisses un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt. Et on n'oublie pas, la vape c'est vous, la vape c'est nous. Elle est bonne la vape. Tchou !